Ok. Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui vous est probablement assez peu familier, qui est la métallurgie et particulièrement de son histoire. La question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est sommes-nous toujours à l'âge du fer? Mais pour savoir ça, tout d'abord, posons-nous la question, le métal autour de nous, est-ce qu'il y en a? J'ai ici pris une maison de poupée, et nous allons regarder un petit peu où il y a du métal dans cette maison. Il y en a dans la chambre, dans la salle de bain, au garage, dans la cuisine, dans le salon, dans les pièces de vie, partout autour de nous, il y a du métal. Oui, mais ce métal, on pense souvent que c'est quelque chose un peu ringard. Si je vous parle métal, à moins que vous ne regardiez le super poster derrière moi et que vous vous disiez OK, Iron Maiden, vous allez plutôt penser à ça. Un vieux fer à repasser, une vieille pile de trucs rouillés, un vieux fourneau, pas des choses très, 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 très sympathiques. Pourtant, le métal, c'est beaucoup plus que ça. Ça peut être aussi un bateau, avec ses fenêtres, avec ses portes, ses hublots fermés, prêt à partir en croisière. Mais ici, vous ne voyez pas seulement un hublot, un bateau en métal. Vous voyez aussi des grues, des containers. Il est vraiment partout. Vous avez entendu parler de l'âge du fer. Et l'âge du fer, pour vous, c'est il y a 2 000 à 3 000 ans, c'est des gens qui travaillent à main nue du métal chaud avec des méthodes tout à fait rudimentaires. Mais on n'est pas obligé de se limiter à ça. Parce que le métal, ça peut être bien d'autres choses. Saviez-vous que dans nos smartphones, il y a beaucoup de métal, qu'il y a 10% de cuivre en poids et 9% de fer? C'est quand même déjà pas mal. Et il n'y a pas que le cuivre et le fer. Il y a aussi, vous voyez, tout un ensemble d'éléments qui sont dans l'écran, dans les circuits imprimés, dans l'électronique, dans l'emballage, partout, dans la batterie, évidemment. Le métal, c'est aussi ça. C'est votre voiture. Alors, voyez, on pense tous directement à la structure, à la carrosserie de la voiture. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que là qu'il y en a. Dans les voitures électriques, il y a de plus en plus de métal. Il n'est plus dans la carrosserie. Il est dans les batteries qui utilisent beaucoup de nickel, de lithium, de cobalt, de cuivre et de manganèse. Des mots qui, pour vous, n'ont peut-être finalement aucune signification particulière. Et puis, il y en a aussi dans nos panneaux photovoltaïques. Il y en a tant dans les matériaux actifs. Hein, on le voit ici, dans le matériau actif. Mais il y en a aussi ce qui est cadre, conducteur, structure, pose. Il est vraiment indispensable partout. Et puis, il est même aussi là où on ne l'attend pas. Bon, dans l'espace, on s'y attendait un petit peu. Mais saviez-vous que les stents qui permettent de sauver la vie des personnes qui font de l'athériosclérose sont faits en métal? Et puis, les prothèses bioniques aussi. Et finalement, il est également dans l'air. Donc, il est vraiment partout, partout autour de nous. Il est présent, il est indispensable, et pourtant, on ne le remarque pas. C'est pas comme une star qui ferait lumière, caméra, allez, on tourne. Non, il est là, toujours au centre de nos vies, mais complètement inaperçu. Pourtant, on a nommé des périodes entières de l'histoire d'après le nom du métal qu'on y utilisait le plus. Si on repart très loin en arrière, juste après les paléo et néolithiques, qui sont les grands âges de la préhistoire, sont arrivés l'âge du cuivre, l'âge du bronze et l'âge du fer. L'âge des métaux couvre la fin de la préhistoire et en fait une grande partie de l'Antiquité. Mais on n'a jamais vraiment clôturé l'âge des métaux. On n'est jamais passé à l'âge d'autre chose.
On a juste changé de façon d'appeler les périodes de l'histoire. Tiens, est-ce que cet âge de fer, il est vraiment fini? Ou est-ce que finalement, on y serait encore? Je vais donc aujourd'hui vous parler de la grande aventure de la métallurgie et vous montrer comment en à peine 10 000 ans, ce qui à l'échelle de l'histoire de la Terre est juste un clignement d'œil, nous sommes passés de la pointe de flèche martelée à la fusée SpaceX réutilisable. Alors avant de démarrer, puisqu'on va parler de métallurgie, présentons un petit peu les métaux. Qu'est-ce que c'est un métal? Un métal, c'est un corps simple. Alors, qu'est-ce que c'est un corps simple? C'est un terme un peu barbare. Un corps simple, c'est juste un élément chimique. C'est-à-dire, c'est un élément retrouvé dans le tableau périodique, le tableau de Mendeleïev. Alors, les métaux, ils ont tous quelques particularités. Ils sont brillants. Pas tous autant les uns que les autres, mais ils sont brillants. Ils forment des cations. Ils forment des liaisons dites métalliques, c'est-à-dire qu'ils font le communisme des électrons. Tous les électrons qu'ils ont, ils vont les mettre en commun au sein du métal lorsqu'il est à l'état solide. À cause de cela, ils vont être des bons conducteurs à la fois de la chaleur et de l'électricité. En plus, ils sont malléables. Et si on regarde, eh bien, les métaux, ils constituent 70% des éléments du tableau périodique, ils sont vraiment partout. Et c'est sur le tableau périodique que nous voyons ici tous ceux qui sont en vert. Alors, comment est-ce qu'on les trouve, ces métaux? Ben, en fait, ils sont présents dans l'écorce terrestre et ils sont présents très rarement seuls. Les métaux sont très sociables, ils vont se lier avec tout un tas d'autres éléments pour former des composés. Et ces composés, si on peut en extraire un métal, on va les appeler les minerais. Donc, vous voyez ici quelques minerais de cuivre et de fer. Et puis, dans certains cas, mais uniquement pour les métaux les plus nobles, on peut les retrouver à l'état dit natif, c'est-à-dire sous forme de débit, comme vous pouvez le voir ici pour le cuivre et pour l'or. Alors, maintenant que nous savons un petit peu qui sont les métaux, que nous avons fait connaissance, repartons du tout début. Le chalcolithique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, chalcolithique? Eh bien, c'est chalcos, le cuivre, lithos, la pierre. Donc, c'est une période de l'histoire où l'utilisation de la pierre et l'utilisation du cuivre coexistaient. C'est une période qui commence à peu près 7000 ans avant notre ère, et pendant laquelle, en fait, les métaux qui ont été travaillés sont exclusivement des métaux natifs. Alors, des métaux natifs, il n'y en a pas beaucoup. Il y a principalement le cuivre, l'or, l'argent, le platine. Alors, à cette époque-là, l'argent n'avait pas encore été découvert, ni le platine. Donc, on va retrouver principalement du cuivre et de l'or. Et aussi, un tout petit peu de fer météoritique. Donc, ce n'est pas du fer qui vient de la croûte terrestre, c'est vraiment du fer qui est tombé du ciel. D'ailleurs, le travail du fer se dit encore en français sidérurgie, et en fait, il faut savoir que sidéros, ça veut dire le ciel. Donc, la sidérurgie, c'est le travail d'un cadeau du ciel, le fer. Alors, ces métaux, à l'époque, il y a très, très peu de techniques qui permettent de les travailler. Il n'y a pas de fourneau à haute température. On sait juste faire un feu avec du bois qu'on ramasse et des choses comme ça. Donc, la mise en forme est très, 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 très limitée. On ne sait pas les faire fondre. Et on va se contenter de les mettre en forme à l'état solide. Donc, on va, en fait, simplement taper dessus avec des outils primitifs. Ils vont être utilisés très rapidement pour fabriquer des armes, des ornements et des bijoux. Mais déjà, ces armes, ces ornements, ces bijoux sont très importants pour ces périodes-là et on les retrouve en quantité, d'autant plus que le cuivre et l'or sont des métaux nobles qui se corrodent très peu et qui donc ont pu être conservés jusqu'à notre époque. Juste après cette époque chalcolithique,
on va avoir une époque qui s'appelle l'âge du cuivre, où là, c'est vraiment le cuivre qui prend le dessus sur la pierre. C'est une époque qui commence environ 5000 ans avant notre ère et qui commence en Asie mineure, donc Bulgarie, Grèce, Turquie, vraiment ces pays-là. Et on va commencer à extraire le cuivre de son minerai. Alors, pourquoi est-ce que c'est le cuivre qui est le premier extrait de son minerai? Ben, il y a deux raisons. La première raison, c'est que extraire du cuivre de son minerai, c'est vraiment très facile. D'ailleurs, l'extraction du cuivre de son minerai par des procédés forcément plus sophistiqués, mais toujours si similaires dans leur idée aux procédés de l'époque, se fait toujours. Et pour réduire du cuivre, eh bien, il suffit de souffler de l'oxygène dessus. Vous allez me dire, bah, c'est pas très très compliqué, il faut à peine chauffer, ça fonctionne très 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 bien. Première raison. Deuxième raison, les minerais de cuivre. Eh bien, voici un minerai de cuivre. Voici un autre minerai de cuivre. La malachite est un minerai de cuivre. Le chrysocolle est un minerai de cuivre. Ce sont des minéraux qui sont particulièrement colorés et reconnaissables. Vous avez tous vu un bibelot en malachite. Personne ne peut rater cette magnifique pierre verte. Et donc, forcément, avoir un minéral qui est si facile à reconnaître, c'est vraiment un excellent avantage. Une particularité, à l'époque, tous les outils en cuivre qui sont fabriqués contiennent de l'arsenic. Alors, pas forcément ajouté exprès, parce qu'il y a pas mal de minerais d'arsenic qui en contiennent. À un certain moment, on va l'ajouter volontairement, mais pas forcément au début. Alors, vous savez que l'arsenic, c'est quand même un composé particulièrement toxique. Et donc, c'est pour ça que dans toutes les mythologies antiques, le dieu forgeron, qui s'appelle Héphaïstos ou Vulcain, et qui est représenté ici sous le pinceau de Rubens, bien, le dieu forgeron est toujours représenté sous la forme d'un vieillard un peu difforme, qui n'a pas de cheveux, à la peau tout abîmée. Ben oui, forcément, le forgeron, c'était celui qui manipulait des vapeurs d'arsenic à longueur de journée. Vous imaginez que ce n'était pas le métier le meilleur pour la santé de l'époque. Alors, à l'âge du bronze, qui succède à l'âge du cuivre, mais à peu près 2000 ans après, et qui est concomitant avec l'époque des pyramides, on va en fait, dans le Caucase, en Turquie et en Iran, commencer à volontairement mélanger du cuivre et un autre métal, plus de l'arsenic qui n'est pas vraiment un métal, mais un autre métal, et ce métal, c'est l'étain. Le mélange de cuivre et d'étain, c'est le bronze, on l'utilise toujours. Et la recette du bronze n'a pas changé depuis 5000 ans. Alors, ce bronze est plus performant que le cuivre, il a des meilleures propriétés mécaniques, il est plus résistant. Et on va travailler le minerai dans des bas-fourneaux qui ressemblent un petit peu à ce qu'on va voir ici, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on va avoir l'apparition d'un procédé qui est la fonderie et qui permet en fait de donner une forme directement à partir de l'état liquide. Donc, on voit ici un moule de l'époque de l'âge du bronze, qui est en fait une pierre évidée pour laisser une trace qui correspond à la forme de l'outil qu'on veut fabriquer. On va refermer les deux moitiés du moule, couler le matériau liquide, le laisser refroidir, le démouler une fois qu'il sera complètement solidifié pour obtenir une forme particulière, reproductible, de bonne qualité, de manière rapide, on n'a toujours pas trouvé grand-chose de mieux. Les minerais d'étain qui sont utilisés pour fabriquer ce bronze, eh bien, il faut savoir que au Moyen-Orient, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, les métallurgistes de l'époque, bah, ils voient qu'il y a quelque chose qui fonctionne vraiment très bien, ils ont envie d'en refaire et boum, il leur manque la matière première. Eh bien, qu'à cela ne tienne, ils vont aller le chercher ailleurs. Et où est-ce qu'ils vont aller le chercher? Là où il se trouve, dans certaines zones, pas trop loin
qui sont riches en minerai d'étain, l'Iran, l'Espagne, la Bretagne et ce qu'on appelle à l'époque les îles Cassitérides. Cassiteros, c'est un nom d'un minerai d'étain. Eh bien, ces îles Cassitérides, c'est en fait la Cornouaille. On pense qu'en fait, c'est un faux nom qui a été donné à la Cornouaille pour que les pirates n'aillent pas piller la région. On le laissait croire que c'était un petit peu plus loin, quelque part d'un peu mystérieux. Et comme ça, les gens de là-bas étaient un peu tranquilles. Mais pour acheminer ce minerai, eh bien, on va développer des tas de routes commerciales. Et vous les voyez ici. Les Phéniciens, eux, vont commencer à faire tout un commerce maritime en longeant les côtes de l'Espagne pour arriver jusqu'en Bretagne et jusqu'en Angleterre. Les Grecs, quant à eux, vont choisir le chemin le plus court. Ils vont employer les très nombreuses rivières qui sont présentes en France pour traverser le pays de part en part. Et ils vont même presque passer par chez nous, d'ailleurs. À côté de ça, on va avoir aussi un commerce très important entre l'Afghanistan, l'Iran et toutes ces régions-là, donc dès 3000 ans avant notre ère. Alors le bronze est utilisé couramment, forcément à l'époque, et pour faire des pièces qui peuvent être parfois extrêmement raffinées. Donc la pièce que vous voyez ici, c'est le cratère de Vix. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est une coupe qui est d'une taille très très imposante, plusieurs dizaines de centimètres de diamètre, et qui est faite en bronze coulé avec des ciselures extrêmement fines, etc. On voit aussi juste à côté des bijoux, des choses de ce genre. Et on utilise aussi l'argent et le plomb. En fait, est connu. Il n'est pas particulièrement utilisé, mais il est connu parce que l'argent et le plomb partagent souvent les mêmes minerais. Et donc, forcément, si on extrait l'argent, on se retrouve avec le plomb. Et il va falloir éliminer le plomb de l'argent. Et donc, on va se retrouver avec un peu de plomb, mais comme résidu de la production de l'argent. Alors, nous voici enfin, ou peut-être seulement, à ce fameux âge du fer. Alors, l'âge du fer commence il y a à peu près 4000 ans, en Asie mineure, et en fait, on va réussir à extraire de son minerai ce nouveau métal qui est en fait plus dur, moins cassant et plus malléable que le bronze. Alors, ce métal est particulièrement intéressant, il va se répandre à partir de l'Iran et de l'Anatolie, à travers toute l'Europe, l'Asie, l'Afrique du Nord, c'est relativement fulgurant. Il faut savoir qu'au départ, on en produit de très petites quantités parce que c'est plus compliqué à extraire que le cuivre. Hein. On voit ici comment on extrait le fer. Vous voyez que le fourneau est déjà relativement grand, le procédé est sophistiqué pour l'époque. Il faut mettre des couches alternées de charbon de bois et de minerai. Il faut alimenter pendant des heures. Il faut ensuite récupérer le métal à l'état solide parce qu'on n'atteint pas les températures de fusion du fer dans les fourneaux de l'époque parce que les matériaux et les technologies ne le permettent pas. Et donc après, il faut tout remettre en forme à l'état solide, comme à l'époque chalcolithique. Et donc, c'est forcément quelque chose qui est très cher parce que mettre en forme à l'état solide un métal qui a des propriétés mécaniques remarquables et qui est relativement résistant, c'est pas évident. Au départ, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher que l'or. Et puis, rapidement, au fil des siècles, le matériau se popularise et on va se retrouver avec des prix plus abordables. Alors, le fer, c'est intéressant, mais ce que nous connaissons, ce n'est pas le fer, c'est l'acier. L'acier, c'est du fer qui est amélioré dans ses propriétés par l'ajout d'un autre élément qui est le carbone. On fait ça déjà il y a 3000 ans. Alors, comment est-ce qu'on fait ça il y a 3000 ans? Eh bien, relativement simplement, finalement. On va réchauffer le fer qui a été obtenu dans un feu, donc vraiment à l'intérieur des braises, au contact du charbon de bois. Et en fait, une partie du carbone de ce charbon de bois va pénétrer dans
le fer et va ainsi permettre de former l'acier. Puisqu'on connaît l'acier, ben forcément, il y a plein de gens qui vont essayer d'en améliorer les propriétés. Il faut savoir qu'améliorer les propriétés de l'acier, c'est quelque chose qui a commencé il y a 3000 ans et qu'on n'a toujours pas terminé de faire. On est toujours en train d'évoluer sur ses propriétés. Et un des aciers les plus performants qui a été initié à l'âge du fer a été développé en Inde en 500 avant notre ère et il s'appelle l'acier Wootz. L'acier Wootz, c'est un acier relativement particulier qui est élaboré par une métallurgie au creuset où il n'est pas exclu qu'on passe par moment à l'état liquide, mais pas au moment de la mise en forme. Cet acier restera le matériau de prédilection pour toutes les armes, les lames et les épées de toute la planète jusqu'au XVIIIe siècle, période à laquelle on perd en fait le secret de sa fabrication. Vous ne connaissez pas Wootz, vous n'avez jamais entendu parler de Wootz. Pourtant, vous avez probablement toujours tous entendu parler un jour ou l'autre de l'acier de Damas. Eh bien, l'acier de Damas, c'est le nom que nous, en Europe, on donne au Wootz. Alors, pourquoi acier de Damas? Parce qu'en fait, les gens du Moyen-Orient, ils craignaient que l'acier qu'ils vendaient aux Européens, les Européens se rendent compte, en fait, qu'il ne venait pas de chez eux, qu'il venait d'Inde. Et donc, ils ont dit, oui, mais c'est de l'acier de chez nous. Ce qui fait que l'Europe était persuadée que ça venait de Damas, mais en fait, ça venait de beaucoup plus loin. Alors, vous voyez ici, cette lame, avec cet aspect très, très particulier, eh bien, ça, c'est l'aspect, la signature de l'acier Wootz, une structure très particulière qui est visible sur la lame à l'œil nu. Alors, évidemment, pendant l'âge du fer, on continue de faire des objets principalement décoratifs ou utilitaires avec d'autres métaux comme l'or. Donc, nous avons ici un magnifique torque qui est au British Museum ou le bronze, une fibule. Le bronze, forcément, est beaucoup moins prestigieux que l'acier à cette époque-là. Il est plus utilisé pour des objets utilitaires, des pots, des boutons, des accroches de vêtements et des choses de ce genre. À la fin de l'âge du fer, on connaît déjà, vous voyez ici mon tableau périodique, on connaît déjà pas mal d'éléments, mais seulement 7 métaux. Et ces 7 métaux sont finalement tellement importants dans la vie des gens de cette époque qu'en fait, ils vont être associés d'une part à leur dieu, en tout cas pour les dieux grecs et romains, et d'autre part aux planètes qu'on connaît déjà. Alors, planètes, il faut raison garder, il y a certains astres auxquels on a associé des métaux qui ne sont pas vraiment des planètes, qui sont plutôt des étoiles ou des satellites. Toujours est-il que l'or, qui est le métal brillant, éclatant, bah forcément, c'est le soleil. L'argent, qui a cet aspect brillant mais calme, bah c'est la lune, Phébé. Le cuivre est associé à Vénus, ou Aphrodite, donc la planète Vénus et la déesse Aphrodite, vous voyez que son symbole est en fait un miroir. Le plomb est associé à la planète Saturne et au dieu Cronos. C'est d'ailleurs pour ça que l'intoxication au plomb s'appelle, toujours de nos jours, le saturnisme. Le mercure, le dieu Hermès en latin s'appelle Mercure, donc forcément, c'est la planète et le dieu qui sont associés à ce métal. L'étain, la foudre, c'est Jupiter, c'est la planète et c'est Zeus, le dieu des dieux. Et finalement, le fer qui est utilisé pour faire toutes ces armes, ces lames, c'est, eh bien, on va l'associer d'une part à la planète Mars et d'autre part au dieu Mars ou Arès. Donc, son symbole, ce sera la lance et le bouclier. Nous arrivons maintenant au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas forcément une période où il ne se passe pas grand-chose. D'abord, il faut savoir que
je vais aujourd'hui plutôt m'occuper de ce qui se passe en Europe. Mais il y a également tout un tas de choses qui se passent ailleurs sur notre planète. Et pendant la période que nous appelons le Moyen-Âge, il y a des progrès technologiques complètement hallucinants qui se passent en Inde, en Chine. Mais chez nous aussi, il y a pas mal de choses qui se passent. Et notamment un certain nombre d'évolutions technologiques dans la métallurgie du fer qui ne sont pas forcément des révolutions technologiques, mais qui vont permettre d'améliorer le rendement, la productivité, la qualité, et donc qui vont permettre de rendre les outils en fer plus accessibles, les armes et les outils en acier plus faciles à produire. Notamment l'utilisation du soufflet pour nourrir les fourneaux. Il faut savoir qu'avant l'invention du soufflet, eh bien, il fallait souffler à la bouche. Et souffler à la bouche dans un foyer qui monte à plus de 1000 degrés, ce n'est pas forcément très confortable. Le soufflet a donc permis de rendre le travail du métal beaucoup plus facile. Et en introduisant le soufflet, on a à un certain moment décidé d'alimenter ce soufflet non plus par des hommes ou par des animaux, plus par de l'énergie mécanique vivante, mais bien par des roues à eau. La roue à eau, c'est une invention chez nous qui date de la fin du Moyen-Âge. Et en utilisant ces roues à eau, les roues à eau, elles ne se fatiguent jamais, elles ne s'arrêtent jamais, elles n'ont pas besoin de manger et elles peuvent développer des puissances assez importantes. Bien, le fait d'avoir une source d'énergie qui soit constante et finalement gratuite a permis de construire des fourneaux plus grands. Et de manière purement mécanique, quand on fait un fourneau plus grand, la température à l'intérieur augmente. Elle augmente tellement que, à la toute fin du XIVe siècle, on peut produire de la fonte liquide. Alors, qu'est-ce que c'est la fonte? C'est du fer dans lequel il y a une quantité assez importante de carbone qui est dissoute, donc qui s'est mélangée de manière complètement homogène. Et cette quantité de carbone, pour que ça s'appelle de la fonte, il faut qu'elle soit d'environ minimum 3% en masse. Alors, cette fonte liquide qui sort du haut fourneau, elle a une teneur qui est bien plus élevée que les 3% en masse. En général, on monte à 5-6%. Alors, il faut savoir que de la fonte à 5-6% de carbone, c'est strictement inutilisable. C'est très fragile. Et donc, au lieu d'avoir un fer qui contient pas du tout de carbone et d'essayer de remettre du carbone dedans, on se trouve dans un autre cas de figure où on a du fer avec trop de carbone et on va essayer d'aller le retirer. Ça s'appelle la décarburation. Mais cette fonte liquide, ça a déjà pas mal d'impact et d'influence parce que on s'est retiré une partie de carbone et est resté encore liquide. Et donc, on vient de développer en Europe une technologie qui s'appelle l'artillerie, le canon. Les canons, ils étaient faits en bronze et c'était bien, mais c'était pas terrible. Et puis surtout, les boulets de canon, ils étaient faits en pierre. Eh bien, avec le fait qu'on peut avoir de la fonte liquide, il devient possible de fabriquer des boulets et des canons entièrement en fonte. C'est pas la seule utilisation de la fonte. Ça va révolutionner pas mal d'autres domaines. Parce qu'avec une fonte, on peut faire un tuyau. Avec un tuyau, on peut faire un aqueduc. Avant cette époque, avant cette découverte, la plupart des tuyaux étaient en plomb. D'ailleurs, pendant très longtemps, on a utilisé pour l'acheminement de l'eau des tuyaux de plomb. Hein, on sait maintenant toute la toxicité du plomb et on évite absolument de le faire, mais pendant très longtemps, ça a été la seule alternative. On a ici une alternative. On a pu utiliser la fonte aussi pour faire des marmites et des chenets, et donc ça devenait une alternative moins chère au cuivre et plus solide à la terre cuite.
Alors, chez nous, il faut savoir que tout le travail du métal en Belgique, c'est pas quelque chose de récent. C'est quelque chose qui s'est implanté dès le XIIe siècle. Alors, pourquoi ça s'est implanté dès le XIIe siècle? Parce que la Belgique est riche de minerais de fer. Enfin, était riche de minerais de fer. Et plus particulièrement, la Wallonie, et on voit ici les bassins miniers, donc entre Charleroi et Namur, et puis autour de Liège. Ah, bah tiens, Charleroi, Namur-Liège, c'est la dorsale wallonne, c'est toujours la dorsale du travail du métal dans nos régions. Alors, contrairement à ce qu'on a à l'heure actuelle, où les usines sont plutôt dans ou à proximité des villes ou des rivières, eh bien, à l'époque, les forges, elles sont complètement en dehors des villes. Pourquoi? Parce que le combustible, à cette époque-là, c'est du bois ou du charbon de bois. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant de se mettre en pleine forêt pour avoir accès à une quantité importante de bois pour l'extraction du minerai et puis d'amener les lingots ou les lopins dans les villes où ils seront mis en forme. Et en fait, dès cette époque, on va avoir une spécialisation importante avec le développement de la clouterie dans la région de Charleroi et de l'armurerie dans la région de Liège. L'armurerie est d'ailleurs toujours une spécialité dans la région de Liège puisque c'est là qu'il reste encore la fabrique nationale. Alors, on ne découvre pas beaucoup de nouveaux métaux par chez nous au Moyen Âge. Alors, les Chinois, eux, découvrent le zinc pour de vrai. Ils arrivent à l'isoler. C'est pas possible chez nous. On n'a pas le procédé pour fabriquer du zinc est un petit peu complexe, et donc on n'a pas les technologies qui permettent de le faire. Mais pourtant, on va utiliser ce minerai non pas en tant que métal pur, mais on va le mélanger avec du cuivre pour former un nouvel alliage, le laiton. Et le laiton est un alliage qui est toujours utilisé à l'heure actuelle. Et il faut savoir que la Belgique était aussi une plaque tournante importante de l'industrie du laiton, puisque tout ce travail des laitons en relief, etc., s'appelle encore à l'heure actuelle la dinanderie. Alors, à la Renaissance, on va découvrir le platine. Alors, on va le découvrir, mais pas vraiment l'identifier. Alors, pourquoi le découvrir sans l'identifier? Bien, il faut savoir que le platine est un métal qui n'existe pas en Europe. Il n'y a pas de gisement du tout, sur tout le continent européen. Le gisement le plus proche de chez nous, c'est en Russie et plus particulièrement en Sibérie. Et en Sibérie, à la Renaissance, il n'y a pas encore grand monde. Alors, comment est-ce qu'on le découvre? Eh bien, en fait, on le découvre à l'état natif sur le continent sud-américain. Et les gens qui le découvrent, en fait, pensent à cette époque-là qu'il s'agit d'argent. Et donc, ben, on le découvre, mais on croit que c'est de l'argent. Donc, on ne l'identifie pas vraiment. On découvre aussi le phosphore, et puis il y a beaucoup d'évolutions dans l'industrie du fer, et notamment l'introduction du marteau hydraulique. Alors, ça a l'air de rien, le marteau hydraulique, mais il est toujours dans une industrie où la mise en forme du fer et de l'acier doit se faire entièrement à l'état solide. Et donc, tout appareil qui permet de soulager le bras du travailleur est bienvenu, puisque ça permet évidemment de faciliter le travail, d'améliorer la productivité, d'améliorer la qualité et la qualité de vie. À cette époque, on compte en Belgique pas moins de 200 entreprises sidérurgiques. Alors, nous arrivons maintenant dans une époque où on va complètement changer de paradis. Jusqu'à la fin de la Renaissance, on est dans une métallurgie de découverte un peu par hasard, dans un travail d'artisans qui vont se passer des trucs de ville en ville, de compagnonnage, d'amélioration technologique progressive, etc. Mais il n'y a pas vraiment de volonté spécifique de faire avancer la compréhension des choses ou de découvrir de nouvelles choses. Mais on arrive au siècle des Lumières et pendant le siècle des Lumières, on va développer la méthode scientifique et surtout la chimie moderne.
Alors, le développement de cette chimie moderne, mais forcément, ça va mener à beaucoup de découvertes dans le domaine de la métallurgie, puisque la chimie s'est basée beaucoup sur les métaux. Alors, beaucoup de découvertes, oui et non, parce qu'en fait, les méthodes expérimentales disponibles à cette époque-là sont quand même relativement limitées. On sait chauffer, refroidir, on a peu de combustibles qui sont disponibles. Et donc, finalement, on sait découvrir que les métaux les plus faciles à extraire ou les plus abondants. Mais on en découvre quand même pas mal. Tous ceux qui sont ici en rouge vif sur le périodique, et notamment le cobalt, le nickel, le bismuth, le manganèse, le tungstène, l'uranium, qui est découvert en 1789, le titane et le chrome. Alors forcément, développement de la méthode scientifique, un peu d'ébullition, puis c'est juste avant la révolution industrielle. Tiens, mais qu'est-ce qui a permis à cette révolution industrielle de vraiment démarrer? Eh bien, à un moment, il faut se dire que c'est un petit peu aussi l'industrie des métaux. Alors, comment ça se passe? Tout début du XVIIIe siècle, Henry Cort introduit en Angleterre un nouveau combustible qui s'appelle le coke. Alors, je vous ai mis ici une photo de ce que c'est du coke, pas la coke. Hein, ne confondez pas, ce n'est pas la même couleur, ce n'est pas la même utilisation. Et qu'est-ce que c'est que le coke? Eh bien, la meilleure définition que j'en ai jamais trouvée, c'est de dire que le coke, c'est du charbon de bois de charbon. Alors, charbon de bois de charbon, c'est un peu compliqué à comprendre. Bien, le charbon de bois, en fait, c'est du bois qu'on a lentement consumé pour en éliminer toutes les matières qui ne sont pas du carbone, parce que c'est le carbone dans le bois qui est vraiment énergétique. Eh bien, pour faire du coke, on va faire exactement la même chose, mais au lieu d'utiliser du bois, on va utiliser de la houille ou du charbon de terre. Alors, pourquoi est-ce que c'est particulièrement intéressant? Eh bien, ça libère l'industrie sidérurgique de sa dépendance aux forêts. Vous allez dire oui, mais les forêts, c'est renouvelable, etc. Tout à fait. Mais à cette époque-là, on est dans une espèce de crise économique et écologique, en fait, en Angleterre, où l'industrie sidérurgique commence à tellement se développer qu'il y a un réel déboisement. Et alors, c'est pas tant l'écologie le problème que la fureur des propriétaires terriens, la gentry anglaise, qui en fait voit ses terres de chasse complètement déboisées et donc ils ne savent plus chasser le cerf, le sanglier, le renard, etc., comme ils voudraient pendant leur temps libre. Et donc ils protestent violemment contre les exploitants sidérurgiques. Le coq répond de manière très efficace à ce problème. Et on va accompagner cette découverte d'une autre découverte qui va, elle, être vraiment révolutionnaire, qui est un procédé d'élimination du carbone de la fonte qui s'appelle le putelage, alors qui a été utilisé relativement tard. Et donc, vous avez ici une photo d'un putelage. Et en fait, c'est un procédé qui consiste à brasser la fonte en fusion en venant souffler un petit peu d'oxygène dessus. C'est pas très confortable comme métier, mais c'est rudement efficace comme procédé. Ça permet forcément d'améliorer la productivité, d'améliorer la qualité et donc d'avoir des fers et des aciers de meilleure qualité, de meilleure résistance qui vont permettre de développer de nouvelles technologies telles que la machine à vapeur, développé aussi en Angleterre, le métier à tisser mécanique, la mule Jenny qui a mis le feu aux poudres de la révolution industrielle, tout ça, c'est en Angleterre, le coke, le putelage aussi. Et puis, chez nous, on va continuer pendant tout le XVIIIe siècle à travailler avec le charbon de bois.
On est donc très en retard sur la technologie et très dépendant du bois, des matières premières et aussi très dépendant de l'exportation parce que on produit en Belgique et ça depuis probablement le 12e ou le 13e siècle beaucoup plus d'acier qu'on en utilise. On arrive maintenant au 19e siècle et le 19e siècle commence par une petite révolution dans le domaine de la métallurgie. Alors, je dis une petite révolution, c'est même une énorme révolution. C'est l'invention de la pile. Alors, c'est Volta qui invente la pile. Alors, qu'est-ce que c'est que la pile? Ben, en fait, c'est une pile. Oui, mais une pile de quoi? Une pile de rondelles de zinc et de cuivre successives. Et entre ces rondelles de zinc et de cuivre, on va venir déposer des papiers imbibés d'un acide. Ça va permettre de développer une tension et un courant électrique. Donc, on va avoir accès à de l'électricité en permanence et de manière reproductible. Cet accès à l'électricité va ouvrir la voie pour découvrir plein de nouveaux métaux. Et donc, au 19e siècle, on découvre 42 nouveaux métaux. Donc, on va vraiment poursuivre le chemin qui est entamé par le siècle des Lumières, mais on va avoir accès à beaucoup plus de technologies, à des technologies basées sur l'utilisation de l'électricité. On va découvrir les platinoïdes, on va découvrir tous les matériaux alcalins et alkalino-terreux qui sont tout à gauche du diagramme. Du tableau périodique, on va découvrir les éléments légers, le lithium, le silicium, l'aluminium. On découvre l'indium et le gallium. Alors, il faut savoir que le monsieur qui a découvert le gallium avait beaucoup d'humour. Il s'appelait Lecoq et il était français. Et donc, forcément, ça ne pouvait pas s'appeler autre chose que gallium, du latin Lecoq. Et puis, Marie Curie découvre tout à la fin du 19e la radioactivité, mais aussi le polonium et le radium qui sont deux métaux particulièrement radioactifs. Et donc, vous voyez qu'à la fin du 19e siècle, en fait, on connaît déjà presque tous les métaux. Hein, ce qu'on vient de découvrir récemment, ce sont ceux qui sont en rouge. Mais on connaît déjà presque tout. Et puis, il se passe encore des tas de choses et une des choses les plus importantes, c'est que l'acier liquide arrive en Europe. Alors, il faut savoir que l'acier liquide était connu en Extrême-Orient depuis plusieurs centaines d'années, mais on n'avait pas accès à ces pays-là, on n'avait pas accès à ces technologies et c'était des secrets très très bien gardés. Et donc, on découvre ça en Europe. Alors, on découvre pas du tout. C'est quelqu'un qui développe un procédé qui permet d'obtenir de l'acier liquide. Donc, c'est un procédé où, en fait, on va brûler le carbone qui est dans la fonte en soufflant de l'oxygène, enfin, plutôt de l'air à cette époque-là, dans cette fonte, dans le fond d'un réacteur. Ce procédé, ou des procédés qui ressemblent encore, c'est toujours utilisé à l'heure actuelle et ça fait toujours partie des procédés les plus répandus pour la production de l'acier. C'est un Anglais qui invente ça. Ça permet d'obtenir de l'acier liquide. Alors pourquoi est-ce qu'on n'avait pas de l'acier liquide jusque-là? Parce qu'en fait, la température de fusion de l'acier est beaucoup plus élevée que celle de la fonte et beaucoup plus élevée que celle du cuivre. Pour vous donner une petite idée, le cuivre, c'est 1086 degrés. La fonte, c'est, selon la composition, 1250, 1350, quelque chose comme ça. Le fer pur, c'est 1534. Atteindre la barre de 1500 degrés, ça n'était pas possible. On n'avait pas de combustible qui permettait de le faire ou de technologie qui permettait, en tout cas, d'utiliser ces combustibles de manière à le faire. Eh bien, qu'à cela ne tienne, Bessemer brûle le carbone qui est déjà dans la fonte. Mais ce carbone-là, il va dégager de la chaleur dans une fonte qui est déjà chaude, et donc il ne va pas y avoir de perte, et on va pouvoir ainsi obtenir
de l'acier liquide. Alors, il n'est pas le seul à nous permettre d'obtenir de l'acier liquide, parce que quelques années après, Siemens et Martin inventent un four révolutionnaire où on peut préchauffer le gaz, le comburant en fait, on peut préchauffer l'air et on peut ainsi atteindre des températures dans le four plus élevées que les 1500 degrés. Et donc, grâce à ce procédé qui est montré ici, à gauche, eh bien, grâce à ce procédé, on peut réussir à refondre des ferrailles. Et ça, c'est vraiment particulièrement révolutionnaire parce que fondre des ferrailles, c'était complètement impossible. Et donc, jusque 1865, un objet en acier, une fois qu'il était fabriqué, il était fabriqué. Il n'était pas envisageable de réparer une épée qui était cassée en deux, par exemple. On ne savait pas faire de soudure. On ne savait absolument pas remettre ensemble deux pièces qui étaient cassées et on ne savait pas réutiliser du tout. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et il y a un deuxième procédé qui permet également de faire refondre des ferrailles. C'est le four à arc électrique, four électrique pour les intimes, qui a été inventé par le français Héroux en 1900. Et ce four à arc électrique, eh bien, imaginez qu'on enferme dans une boîte la foudre. Eh bien, c'est exactement ça. On va utiliser des tensions électriques extrêmement importantes pour générer des décharges à l'intérieur d'une enceinte fermée dans laquelle il y aura des ferrailles, décharges qui vont permettre de faire fondre ces ferrailles. Et donc, notre 19e siècle, en fait, il s'ouvre sur la pile, un phénomène électrique, et il se ferme sur le four électrique à arc, un autre phénomène électrique. Alors forcément, cet acier liquide qu'on obtient, ça va nous permettre de faire des tas de choses avec de l'acier qui n'était pas imaginable. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, augmenter la productivité. On va pouvoir couler de l'acier dans une forme qu'on veut. Donc, on va pouvoir partir de formes contrôlées pour la mise en forme. La mise en forme finale se fait toujours à l'état solide. Il y a quelques procédés où on va faire de la fonderie d'acier, mais même encore à l'heure actuelle, c'est très, très, très marginal. Mais on va pouvoir partir de formes contrôlées. On va pouvoir faire des tôles. On va pouvoir faire des rails. Avec ces tôles, avec ces rails, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la construction. Et donc, au lieu d'utiliser l'acier uniquement pour des choses de petite taille ou éventuellement pour des machines qui sont mises en forme de manière très complexe, etc., on va pouvoir faire des rails de chemin de fer, on va pouvoir faire des poutrelles de pont, on va pouvoir construire la Tour Eiffel. La Tour Eiffel est un des premiers édifices à être construit en acier Martin. On va pouvoir faire de la construction navale, donc des bateaux cuirassés. Vous voyez ici, c'est un bateau cuirassé qui date de la guerre de sécession des États-Unis. Donc, il faut savoir qu'on a très rapidement utilisé ces nouveaux procédés pour les utiliser dans la vie quotidienne. Alors, le 19e siècle, chez nous, c'est un petit peu la cocagne de la métallurgie. Parce qu'en fait, on a des pionniers comme John Cockerill, comme David Muchet et Paul Euart Chappell qui vont adapter, mais extrêmement rapidement, les technologies les plus modernes. Donc, ils vont importer la fonte au coq, ils vont importer le pedelage et à peine quelques années après le développement de la technologie du convertisseur par Bessemer, elle va être implantée chez nous. D'ailleurs, le premier convertisseur hors d'Angleterre sera fait à Tim Arsinelle par Paul Euart Chappell encore dans les années 1850, tout début des années 1860. Grâce à tout cela, on va hisser la Belgique et plus particulièrement la Wallonie d'ailleurs au premier rang des puissances industrielles mondiales, hein, et on a gardé de cette époque beaucoup de traces, hein, notamment dans l'art du Constantin Meunier et de Pierre Paulus. Nous arrivons maintenant au XXe siècle. Alors, le XXe siècle, le XIXe siècle, c'était un peu le siècle de toutes les découvertes. Le XXe siècle, c'est le siècle de toutes les améliorations. Alors, pourquoi toutes les améliorations? Parce qu'en fait, on va
améliorer les procédés, les optimiser, les automatiser, les sécuriser, améliorer le rendement, diminuer les consommations énergétiques. Et puis, on va aussi avoir accès à des minerais plus pauvres, de moins de qualité. Donc, on va avoir accès à des tas de choses. Alors, je vous ai mis quelques illustrations ici. Ce qu'on voit ici, c'est une coulée continue. Alors, la coulée continue, c'est la grande révolution du XXe siècle en termes de sidérurgie. Alors, pourquoi? Parce que jusqu'au développement de cette technologie, à peu près dans les années 1930, quand on voulait solidifier l'acier qu'on venait de décarburer, on le coulait dans des grands moules, appelés lingots. Mais alors, quand je dis grand, c'est 3 mètres de haut, 1 m50 d'épaisseur, 1 m50 de large, donc vraiment des gros lingots. Et puis, il fallait laminer tous ces lingots, il fallait couper des bouts, etc. C'était très énergivore. Grâce à la coulée continue, on peut maintenant couler un long ruban qui ne s'arrête que très rarement, d'une épaisseur beaucoup plus faible. Alors, l'épaisseur standard, c'est à peu près 15-20 cm. Il y a certaines usines qui, pour des applications particulières, montent à 35, mais il y a aussi des usines qui vont couler des bandes qui font à peine quelques millimètres d'épaisseur. Donc, on peut solidifier l'acier quasiment à la forme à laquelle on désire l'utiliser. Ça, c'est vraiment une révolution. Ça permet d'améliorer aussi très fortement la qualité des produits. Autre amélioration des produits. Eh bien, vous ne me croiriez pas, mais ceci, c'est une installation de sidérurgie. Donc, la sidérurgie, on a encore à l'esprit ces dessins de Paulus, ces peintures de Constantin Meunier, avec des gens qui ressemblent plus à des gueules noires et à des forçats de travail, qui travaillent dans des conditions abominables, de dangerosité et d'un point de vue sanitaire. C'est plus le cas du tout. La sidérurgie, maintenant, c'est quelque chose de très moderne. On va travailler avec beaucoup d'écrans où tout est pré-calculé ou assisté par ordinateur avec des dizaines de capteurs, avec du vide, avec de l'injection de différentes matières, avec des procédés extrêmement sophistiqués, de l'automatisation. Eh bien, tout ça, ce sont des progrès du XXe siècle. Alors, je vous parle de la sidérurgie. Bien sûr, on a fait les mêmes progrès dans toute l'industrie, quel que soit le métal que l'on travaille. Alors, au XXe siècle, il restait, dans le dernier tableau périodique que je vous ai montré, il restait quelques cases vides. Au XXe siècle, on les comble. Il y a un ou deux métaux qui ont été découverts entre 2000 et 2010. Je les ai mis avec. C'était plus facile. Mais franchement, on comble entièrement le tableau périodique à la fin du XXe siècle. Mais on va avoir également, au XXe siècle, on le voit ici, une remontée en force d'autres matériaux comme les polymères, les composites, les céramiques et les verres qui étaient moins utilisés. Alors, on voit qu'on a une décroissance avec vraiment une hégémonie des métaux vers les années 50, et puis on va remplacer les métaux par certains autres matériaux pour des applications moins exigeantes en termes de propriétés mécaniques. Mais parallèlement à ça, on va développer tout un tas d'autres métaux et d'autres alliages qu'on n'utilisait pas du tout avant le XXe siècle. Par exemple, les aciers alliés, c'est-à-dire des alciers où on va rajouter d'autres ingrédients que du fer et du carbone. Les alliages légers comme l'aluminium. Alors, l'aluminium, de nos jours, ça paraît quelque chose de courant, tout venant. On a l'impression que ça a toujours été là. En fait, c'est très récent, l'aluminium. Sous le règne de Napoléon III, on avait accès à l'aluminium. C'était tellement cher qu'en fait, les seules personnes qui avaient le droit de manger dans de la vaisselle en aluminium, c'était les têtes couronnées. Les autres devaient, en tout cas chez Napoléon III, se contenter d'assiettes en or, en argent ou en vermeil. Je ne pense pas qu'on ait toujours cette même échelle de valeur à l'heure actuelle.
On va développer aussi le titane, le zirconium et leurs alliages. Et en fait, les alliages légers et le titane, ça va nous permettre de développer ce qui est aviation. Et tous ces alliages toujours plus performants et plus complexes, et ça compte aussi pour les aciers. Il faut savoir que dans une voiture, à l'heure actuelle, il y a tout un tas d'aciers qui sont utilisés, que je ne connaissais pas quand j'étais étudiante. Et je sais que je commence à avoir l'air un peu âgée, mais pas tant que ça quand même. Eh bien, ici, c'est un crash test qui a été fait entre une voiture des années 80 et une voiture des années 2000. Eh bien, vous voyez que la voiture des années 80, il n'en reste plus grand-chose. Il ne reste surtout plus rien du conducteur. La voiture des années 2000, elle a été conçue avec des aciers, des alliages, qui sont designés pour pouvoir emmagasiner et prendre la maximum de l'énergie du choc. Ce qui veut dire qu'à la fin du choc, en fait, l'avant de la voiture est complètement démoli parce qu'il est créé pour être démoli. Le moteur est complètement explosé. Mais vous voyez que la partie critique, celle où se trouve le passager, elle est faite dans un autre matériau, plus rigide, elle n'a pas bougé. Donc on est maintenant capable de faire des voitures de façon à ce que les parties qui ne sont pas vitales pour les passagers se déforment et viennent vraiment faire un effet de tampon, d'amortisseur, et viennent prendre toute cette énergie de façon à ce que les passagers de la voiture soient indemnes à la fin d'un crash. On va, pendant le siècle dernier, multiplier l'utilisation des métaux. Alors, ici, vous voyez un tableau périodique où je n'ai pas mis les métaux qu'on a découverts, j'ai mis ceux qu'on utilise. Parce qu'il y a des métaux qui, pendant très longtemps, sont restés un petit peu des curiosités de laboratoire. Eh bien, en 1970, il n'y avait que 20 métaux qui avaient des utilisations usuelles. C'était principalement des métaux utilisés dans des applications structurales et un petit peu avec le silicium dans l'informatique. On se retrouve maintenant avec tous ceux qui sont en bleu marine et tous ceux qui sont en rosé. Donc, on a 70 métaux qui sont utilisés environ et ne sont plus forcément utilisés pour des applications structurales. Il y a des applications de plus en plus variées. Alors, chez nous, le XXe siècle, c'est un petit peu le champ du cygne, en tout cas de la grosse métallurgie telle qu'on la connaît, hein, le haut fourneau, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'on a un peu une perte de vitesse de cette industrie? D'abord parce que notre industrie a beaucoup souffert pendant les deux guerres mondiales, où il n'y a pas eu d'investissement, où il y a eu des démantèlements pendant l'occupation, où il y a eu éventuellement des bombardements, etc. Donc, ça, elle a beaucoup souffert de ça. Mais il faut savoir qu'il y a un deuxième phénomène assez important au XXe siècle, c'est l'essor de la métallurgie dite maritime. Alors, qu'est-ce que c'est la métallurgie dite maritime? Eh bien, c'est le fait que, à partir du XXe siècle, et en fait déjà beaucoup plus tôt que ça en Belgique, ça commence déjà à la fin du XIXe, on ne travaille plus avec le minerai local. On travaille avec du minerai d'importation. Si le minerai est importé, ben, il faut le faire venir jusqu'à l'usine. Et le minerai n'est pas forcément importé de tout près. Les pays importateurs de minerai, c'est le Canada, c'est la Suède, c'est actuellement le Brésil. Et donc, on va importer ce minerai sur des cargos transatlantiques. Ben, forcément, si on travaille avec du minerai qui arrive par cargo transatlantique, ça fait sens d'aller travailler son minerai juste au bord de la mer. Et donc, vous avez ici une vue aérienne de du dernier haut fourneau en Belgique, enfin, de la dernière entreprise sidérurgique en Belgique qui fonctionne avec un haut fourneau. Il y a encore beaucoup d'entreprises sidérurgiques qui fonctionnent en Belgique et qui fonctionnent très bien, mais plus avec ce procédé-là. Et c'est ArcelorMittal à
Selsat, qui a été construit dans les années 60 pour pouvoir répondre à ce besoin de travailler au plus proche de la mer. Alors, Selsat, c'est pas à côté de la mer, mais c'est le long d'un canal dans lequel les bateaux, les minéraliers peuvent arriver directement. Alors, pouvaient arriver directement. En fait, c'est plus tout à fait le cas à l'heure actuelle, mais ils arrivent encore à se maintenir à flot en utilisant quelques stratagèmes. En parallèle de ça, les entreprises dans les bassins historiques, qui étaient très très morcelés, même encore au XXe siècle, vont se regrouper pour faire des groupements d'entreprises plus grands et avoir plus de force de frappe. On peut croire que ça a complètement périclité, mais ce n'est pas du tout le cas. Il y a encore, rien qu'à Charleroi, trois usines sidérurgiques intégrées où on part non plus du minerai, mais bien de la ferraille qu'on va recycler par le procédé développé en 1900 par Héroux, le four électrique, pour fabriquer des aciers qui, pour au moins deux d'entre elles, sont de très haut de gamme et s'exportent jusque dans des pays qui sont très réputés et qui produisent beaucoup plus d'acier que nous, preuve que, nous faisons vraiment des aciers de qualité. Alors, nous arrivons maintenant à notre siècle, le 21e siècle, et là où le 19e siècle chez nous, c'était vraiment, je vais dire, la fête de la métallurgie, le 20e siècle était plutôt une période un peu de maturité. Au 21e siècle, on arrive en fait à la fin de l'abondance. On est dans une période où les ressources viennent à manquer, où on a des préoccupations pour le climat. Et donc, les préoccupations de tout le monde dans la sidérurgie, mais dans toutes les autres industries métallurgiques, c'est optimiser le procédé, diminuer la consommation énergétique, capturer le CO2, essayer de ne plus utiliser d'énergie fossile, faire du recyclage, ne plus rejeter de coproduits, traiter ses eaux, ne plus polluer. C'est vraiment la préoccupation majeure et les entreprises du monde entier, ou en tout cas d'une grande partie du monde, sont vraiment très, très conscientes de tout cela et essayent de limiter. On voit par exemple que par chez nous, on va essayer de diminuer l'électricité d'origine fossile et qu'on va passer à l'électricité renouvelable. Mais à cause de tout cela, nous entrons dans une ère où, en fait, on est plus dépendant que jamais des métaux et de la métallurgie. Et tout cela alors que personne ne s'en rend compte. Personne ne s'en rend compte parce que les métaux que nous utilisons tous les jours, en fait, ils sont cachés. Alors, ils sont cachés dans des objets où on ne dirait pas qu'il y en a. Exemple ici, le rhodium. Le rhodium, on le retrouve dans les circuits imprimés des GSM. Personne ne va vraiment voir l'intérieur de son GSM. On les retrouve dans les pots catalytiques. Vous saviez qu'il y avait du métal dans les pots catalytiques? Le palladium, aussi dans les pots catalytiques, aussi dans les circuits imprimés. Le germanium, on va le trouver dans les cellules solaires, en dentisterie, dans des transistors, dans les diodes. Le gallium, on va le trouver dans certains thermomètres, mais c'est un élément essentiel de toutes les LED, les diodes luminescentes. Donc, on va retrouver dans les écrans des TV, des PC, dans les transistors et aussi dans les détecteurs infrarouges. Ce sont toutes des technologies où, en fait, on se dit, bah oui, c'est de l'électronique. L'électronique, c'est pas de la métallurgie. La métallurgie, c'est ringard. Il n'y a pas de métallurgie dans l'électronique. Ça, c'est une grave erreur parce qu'il y en a. Et il y en a beaucoup dans tout ce qui est électronique, dans tout ce qui est médical, dans les batteries. Parce que la première batterie, c'était une pile de disques de métaux. Ben forcément, dans les batteries, on va retrouver encore du métal. Et dans les panneaux photovoltaïques. Autre exemple, on a l'impression, on nous parle de la dématérialisation de l'économie, de la dématérialisation des data. En fait, nos données, elles n'ont jamais été vraiment dématérialisées. On les a juste
délocalisées. Elles ne sont plus chez nous, mais elles sont toujours accueillies physiquement dans des ordinateurs qu'on va retrouver dans des grands centres de serveurs tels que celui qui est mis en photo ici. Il y en a dans le pays, on a près de chez nous. Ces ordinateurs contiennent des tonnes et des tonnes de métal. La production d'énergie renouvelable utilise beaucoup moins la chimie du carbone. Il y a presque plus, on essaye de ne plus utiliser de charbon, de pétrole, de gaz. Mais les moyens de production qu'on va utiliser pour transformer l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique en énergie électrique sont très gourmands en métaux précieux et en terres rares. Alors pourquoi en métaux précieux et en terres rares? Parce que en fait, on va avoir beaucoup de cuivre là-dedans, mais il faut savoir que dans une éolienne, il y a généralement des générateurs avec des aimants permanents, et ces aimants permanents sont faits avec des éléments comme le néodyme, le praséodyme et quelques autres du style, qui sont des terres rares, qui sont des ressources strictement non renouvelables et à l'heure actuelle, peu, voire pas du tout, recyclables et recyclées. Et donc, si on regarde, en fait, on pourrait avoir l'impression que ici, on est en train d'inverser la courbe de dépendance aux matières non renouvelables, mais en fait, ce n'est pas vrai du tout si on se place dans l'optique des matériaux. Alors, puisqu'on parlait de renouvelables et d'énergie renouvelable, eh bien, j'ai choisi de terminer cet exposé par un focus sur l'utilisation des métaux dans toute cette technologie verte, en regardant un petit peu divers aspects et en se disant, tiens, dans ces aspects, est-ce qu'on utilise les matériaux, est-ce qu'on utilise les métaux, comment, et est-ce que c'est finalement soutenable? Ben, commençons par les batteries. Ces batteries, elles sont essentielles pour stocker l'énergie qui est produite par les sources non continues. Alors, les sources d'énergie non continues, c'est par exemple l'éolien, c'est par exemple le solaire, mais elles sont aussi essentielles pour tout ce qui est mobile devices. Et c'est quoi un mobile devices? Ben, ça peut être un smartphone, mais ça peut être un objet intelligent, mais ça peut être aussi simplement une voiture électrique, un scooter électrique, un vélo à assistance électrique. Et il y a quoi dans une batterie finalement? Eh bien, regardez tous les éléments qu'on utilise dans les batteries. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs sortes de batteries ici. Les batteries lithium-ion, les batteries plomb-acide, les batteries alcalines, etc. Mais on voit que la plupart des choses qui sont utilisées dans ces batteries, ce sont métaux. Elles contiennent de grandes quantités de métaux. Et quand on regarde la façon dont elles se répartissent, eh bien, il y a environ 40% des batteries à l'heure actuelle qui sont lithium-ion, le reste qui sont encore des batteries au plomb, et puis pile alcaline, zinc, pile au lithium, etc. Alors, dans une batterie lithium-ion, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, ici, c'est en fonction des différentes parties de la batterie, on a regardé les différents constituants. Alors on voit qu'il y a de l'acier dans plusieurs constituants, dans la périphérie et dans tout le système périphérique. C'est plutôt un matériau, je dirais, de structure de la batterie, l'emballage. Pareil avec l'aluminium, qui est aussi particulièrement dans tout ce qui est emballage, etc., et périphérie. Mais on retrouve aussi de l'aluminium dans la cathode. Et puis, dans les deux électrodes, qui sont l'anode et la cathode, on va retrouver du cuivre, du manganèse, du cobalt, du nickel, du lithium et de l'aluminium. En proportion, si on regarde tout ça, ça doit faire entre 10 et 15% du poids de la batterie avec ces métaux. Et on voit comment l'utilisation de ces métaux a progressé. Alors, on a décidé sur ce diagramme
mettre à 1000 l'utilisation en 2015. Et voici une projection de l'utilisation. Alors, on voit qu'ils partent tous de 1000. Le manganèse arrive à 2000. Donc, entre 2015 et 2030, on va doubler l'utilisation de manganèse. Quadrupler celle de cobalt. Multiplier par 6 à 8 le cuivre et le lithium. Et par plus de 10 l'utilisation de nickel pour les batteries. Dans nos voitures électriques, bah oui, il y a les batteries, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, oui, on essaye d'alléger les voitures, etc. Oui, mais est-ce qu'on les allège vraiment? On a comparé deux voitures ici, une voiture thermique relativement classique et une voiture électrique de même catégorie. On voit que la voiture électrique pèse plus de 200 kilos de plus que l'autre, qui, vu la taille des voitures, est pas du tout négligeable, surtout que cette voiture n'est pas déjà connue pour être légère pour sa gamme. Et si, surtout, si on regarde, on se rend compte que la quantité de cuivre passe de 20 à 80 kilos. On multiplie la quantité de cuivre par voiture par 4, non comptant d'augmenter le poids du véhicule. Alors, si on s'intéresse aux panneaux photovoltaïques, qui sont des technologies qui sont en pleine expansion, eh bien, ils vont utiliser, bah oui, du verre, de l'aluminium pour le cadre, des plastiques, et puis ici, un petit truc, métaux et semi-conducteurs. On vous dit parfois, oui, mais il n'y a que 4%. On recycle 95% des panneaux photovoltaïques. Oui, effectivement, on recycle 95%. En général, ce qu'on ne recycle pas, c'est cette petite partie-là. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette partie-là? On va retrouver du silicium, on peut retrouver du cadmium, du tellure, du cuivre, de l'indium, du sélénium, du gallium, des choses comme ça qui sont des métaux, en fait, de l'arsenic dans certains cas d'ailleurs, qui sont des métaux qui, pour certains, sont toxiques. Le cadmium et l'arsenic sont extrêmement toxiques et sont interdits dans pas mal d'applications, mais qui, pour certains autres, sont des métaux pour lesquels l'approvisionnement n'est pas du tout certain. Le gallium et l'indium sont des matériaux pour lesquels il y a un réel doute sur la pérennité de l'approvisionnement. Alors, on se dit, oui, mais c'est pas grave, on va limiter nos consommations d'énergie en utilisant des régulations de nos réseaux et des productions par intelligence artificielle. C'est vrai que c'est une très, très bonne idée. On optimise tout ça et on produit juste en fonction de besoin en utilisant de l'intelligence artificielle, donc des ordinateurs très puissants. Qu'est-ce qu'il y a dans un ordinateur? Dans un ordinateur, ben, il y a du fer. On le voit ici. Il y a de l'aluminium, il y a du plomb, il y a de l'étain, du cuivre, du zinc et du nickel. Ben, si on regarde, en fait, à part ici les plastiques et ici la silice, qui est en général le verre de l'écran, ben, tout le reste, c'est du métal. Alors, il y a ici, vous voyez en jaune, des métaux en très faible quantité. 0,19%. Et qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? On retrouve du manganèse, du palladium, du cobalt, du ruthénium, du titane, de l'or, de l'europium, du beryllium. Enfin, on retrouve en fait à peu près tout le tableau de Mendeleïev dans un ordinateur, mais en quantité extrêmement ténue. Alors, se pose alors cette disponibilité des métaux. Tiens, est-ce qu'on en a assez? Est-ce que parce qu'on est tellement dépendant pour notre énergie, est-ce qu'on va pouvoir en avoir assez? Souvenons-nous des métaux qui sont utiles et puis allons regarder en fonction de leur présence sur la croûte terrestre. Alors on voit tout de suite que ceux qui sont en vert, sodium, magnésium, potassium, calcium, fer, ce n'est pas forcément ceux pour lesquels on a le plus d'utilité importante. Hein, même l'aluminium, il est plus utilisé pour la structure. Ce qui nous intéresse pour ces applications, c'est des choses comme le platine, l'or, le palladium, l'argent, le cadmium, l'étain, le bismuth,
ils ne sont pas forcément tous dans des couleurs très réjouissantes. Donc, il n'y en a pas forcément beaucoup à exploiter sur notre planète. Oui, mais il n'y a pas forcément que la concentration moyenne dans la croûte terrestre qui compte. Il faut savoir aussi qu'il y a des risques. Excusez-moi. Et puis, l'importance économique. Et donc, on a ici, vous voyez, toute une série de métaux qui sont importants d'un point de vue économique, mais pour lesquels on n'a pas trop de risques. Le fer, l'aluminium, le zinc, le nickel, le manganèse. Cela, ça va. Ici, il y a tout un tas d'éléments pour lesquels on ne se fait pas trop de soucis. Et puis là, il y en a qui sont critiques, voire très critiques. Et dans ceux qui sont critiques, il y a les terres rares, il y a les platinoïdes, il y a le germanium, qui sert pour les semi-conducteurs, le gallium et l'indium qu'on va utiliser dans les LED. Il y a vraiment des trucs qu'on utilise dans toutes ces énergies renouvelables ou dans leur gestion. Ce tableau-ci est peut-être un peu plus parlant. On voit qu'effectivement, il y a des métaux pour lesquels il y a un risque qui est relativement urgent. L'argent, l'indium, le zinc, le gallium, le germanium, l'arsenic, le tellure, etc. Alors, pourquoi est-ce que la plupart de ces matériaux qu'on va utiliser pour nos énergies renouvelables sont sur cette liste? Eh bien, il faut savoir que nos terres rares qu'on va utiliser pour faire les aimants de nos éoliennes, 95% de la production de terres rares vient de Chine. Pour l'antimoine, qui est aussi utilisé dans les semi-conducteurs, la Chine ne produit que 87%. 84% pour le tungstène. Alors, on a mis comme exemple sur ce dessin la tête de missile, mais le tungstène, c'est surtout des outils de coupe, des outils de forage qui sont utilisés dans tout un tas d'industries. Le gallium est utilisé pour les LED, 83%. Le germanium, 79%. L'indium, qui est indispensable dans les écrans plats et dans beaucoup de technologies photovoltaïques, 60%. Il n'y a pas que la Chine qui a des presque monopoles en matière de matériaux métalliques. Le Chili produit 60% du lithium mondial. L'Afrique du Sud, 77% du platine mondial. Il y a d'autres pays qui produisent des quantités absolument hallucinatoires d'un métal précis. Alors, ça se voit peut-être encore plus sur ce tableau périodique de la production annuelle de chaque élément, où vous voyez qu'il est quasiment entièrement rouge. Et ce n'est pas parce que je viens de Charleroi qu'il est tout rouge. C'est parce que pour la majorité des éléments, le premier producteur mondial, c'est la Chine. Producteur mondial, ça veut dire ici, pays duquel on extrait des mines ces éléments. Alors, on a beaucoup parlé des terres rares, mais c'est quoi les terres rares? Les terres rares, c'est le scandium, l'yttrium, et puis ici, vous voyez toute la série des lanthanides. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Mais parce que ça nous permet notamment de faire ces aimants permanents, mais il y a d'autres applications. Le cérium est très prisé pour tout un tas d'applications, notamment dans le domaine de la corrosion. Lithium permet de stabiliser la zircone pour faire des couteaux céramiques. Il y a vraiment tout un tas d'applications de très haute technologie qui reposent à 100% sur l'utilisation de terres rares. Alors, pourquoi est-ce que les terres rares sont produites à 95% en Chine? Vous allez dire, pas de bol, celles-là qu'elles sont. Eh bien, absolument pas. Il y en a en Chine, effectivement, mais il n'y a pas qu'en Chine qu'il y en a. Il y a aussi des gisements de terres rares assez importants aux États-Unis, au Canada et même en France. La France, jusque dans les années 70, faisait partie des premiers producteurs mondiaux de terres rares. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne produit plus les terres rares aux États-Unis, en France et au Canada? Mais parce que leur extraction est polluante et énergivore.
Elle donne lieu à la déforestation massive pour faire des mines à ciel ouvert, comme celles qu'on voit ici, hein, à de la pollution de l'eau des nappes phréatiques et des rivières. Elle génère des grandes quantités de déchets, parce qu'il faut savoir que ces terres rares ne sont pas très concentrées dans les minerais. Donc, pour extraire 1 kilo de terres rares, il faut manipuler plusieurs dizaines de tonnes de minerais. Donc, forcément, mais on va avoir des dizaines de tonnes de déchets. Et puis, elles ne sont pas forcément toutes radioactives, mais dans la famille des lanthanides, il y a des éléments radioactifs. Et il faut savoir que ces éléments radioactifs sont mélangés dans les minerais avec les terres rares. Ce qui veut dire que dans la région principale en Chine, où on extrait les terres rares, la radioactivité ambiante est à l'heure actuelle 2 fois supérieure à celle qu'il y a dans la région de Tchernobyl. Région de Tchernobyl, qui, je vous le rappelle, est toujours interdite. En Chine, les gens vivent et travaillent. Ils vivent, ils travaillent dans la radioactivité tout en respirant les poussières d'extraction de ces métaux. Alors, on sait que les poussières et les particules fines, c'est pas très bon, mais vous imaginez des poussières et des particules fines avec en plus des matériaux radioactifs, c'est vraiment très toxique. Alors, tous ces métaux, non seulement d'aller polluer en Chine, et donc finalement, pour nos technologies vertes qui nous permettent, nous, de nous passer de pétrole, de charbon, et de nous dire, voilà, je ne pollue pas. Et en fait, ce que nous faisons, c'est que c'est un petit peu comme les données dans le cloud. Nos données ne sont pas dématérialisées. Notre pollution n'est pas forcément dématérialisée. Elle est transférée sous une autre forme, dans un autre endroit. Et donc, notre pollution est délocalisée en Chine. Nos métaux, toutes ces terres rares, sont absolument non renouvelables. Le cycle de renouvelabilité des métaux, c'est plus de 100 millions d'années. Donc, ce qui veut dire que on ne peut pas récupérer de nouvelles ressources autres que celles qui ont déjà été extraites de la Terre. Alors vous allez me dire, bah, on n'a qu'à recycler. Eh bien oui, recyclons. On recycle déjà depuis très très longtemps tout ce qui est matériel informatique, téléphonie, etc. Mais il y a un gros souci là-dedans. Les quantités de métaux et de terres rares dans ces équipements sont très très faibles. Ce qui veut dire que pour les séparer, en fait, de un, c'est très compliqué, et de deux, ça nécessite beaucoup d'énergie. Non seulement ça, mais en plus, il faut les récupérer, les collecter et les conduire au point de traitement. Ce qui veut dire que c'est vraiment, vraiment pas assez développé et en fait, c'est même pas rentable à l'heure actuelle de recycler ces terres rares, de recycler ces métaux précieux pour les remettre dans le process parce que la quantité d'énergie, de travail et d'argent nécessaire pour y arriver est supérieure en fait au prix de l'acheter extrait de sa mine. Pour un peu illustrer l'idée du recyclage aussi difficile, imaginez que vous êtes boulanger. Je vole ici, enfin je vole. J'emprunte une comparaison à Guillaume Pitron qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle La guerre des métaux ou La guerre des métaux rares. Et il dit, voilà, imaginez que vous êtes boulanger. Vous avez fabriqué un pain. Pour fabriquer un pain, il faut de la farine, il faut de l'eau, il faut un tout petit peu de levure, il faut un peu de sel. Votre pain est fait, on vous dit, OK, on n'a plus besoin du pain. Recycle le pain. Et on vous dit, bah, retire la farine, l'eau, la levure et le sel. Est-ce que vous arriveriez à séparer la farine, l'eau, la levure et le sel? On ne sait pas le faire. Ils sont irrémédiablement mélangés. Et c'est ce qui se passe dans la plupart des applications actuelles, notamment dans le domaine de l'IT, mais aussi dans d'autres domaines, hein. On est en train à l'heure actuelle de développer des matériaux qui sont en train de révolutionner beaucoup de choses, comme par exemple les alliages à haute entropie, qui sont des mélanges d'au moins 4 métaux différents à peu près en quantité équivalente. Et en fait, personne n'a la moindre idée de savoir si on va après pouvoir reséparer ces 4 métaux sans dépenser une énergie folle.
Et non seulement on ne sait pas vraiment recycler tous ces métaux rares et précieux, en tout cas pas avec l'état des connaissances actuelles, mais en plus c'est extrêmement complexe de les substituer, donc c'est-à-dire de les remplacer par autre chose. Et donc, il y a des gens, et c'est très sérieux, qui pensent déjà à aller chercher ailleurs les ressources minérales nécessaires pour soutenir notre mode de vie actuel. Et où est-ce qu'on irait le chercher? Parce que nous avons, pour ainsi dire, déjà achevé notre planète. Il faut savoir qu'on a utilisé, ou on envisage d'utiliser sur les 50 prochaines années, plus de matériaux métalliques qu'on ne l'a fait depuis la naissance de la Terre. Comment faire ça? Eh bien, il y a des gens qui commence à s'intéresser aux astéroïdes et aux moyens d'aller faire ce qui s'appelle du asteroid mining ou de la prospection minière spatiale. Il y a des projets très sérieux là-dessus. Il n'est pas du tout exclu que le projet SpaceX, par exemple, soit un début de possibilité d'aller faire de la prospection spatiale. Alors, on sait déjà, avec les moyens actuels, déterminer la composition chimique des astéroïdes. Et donc, à partir de cette composition chimique, il y a des gens qui ont chiffré la valeur minière de ces astéroïdes. Et donc, leur idée, c'est d'aller soit installer des usines pour y traiter directement les minerais, soit aller chercher des minerais qu'ils ramèneraient dans des stations spatiales avant de les rapatrier sur la Terre. Et certains de ces astéroïdes ont donc été chiffrés. Et par exemple, vous voyez ici l'astéroïde Dalida qui a une valeur marchande de 27 quoi? 27 quintillions de dollars. Alors, j'ai dû moi-même aller chercher tout à l'heure ce que c'était qu'un quintillion de dollars, parce que je n'avais pas la moindre idée, j'avais jamais entendu ça. Un quintillion de dollars, c'est 30 zéros. C'est 10 à la puissance 30. C'est vraiment hallucinant. Et on n'en a pas chiffré un ou deux. Il faut savoir que tous les astéroïdes de la ceinture proche ont été chiffrés par des financiers, par des organismes de prospection minière et par des industriels. Voilà. Alors, la question, c'est, allons-nous, plutôt que d'exporter notre pollution et notre consommation sur la Chine, transférer cette exportation de pollution et de mode de vie dans l'espace où, à l'heure actuelle, personne n'est encore allé? Il faut savoir que très récemment, il y a des pays qui ont modifié les lois. Normalement, l'espace ne peut pas appartenir à un pays. Il y a plusieurs pays qui ont modifié les lois pour dire que l'espace ne pouvait pas appartenir à un pays, mais que les ressources qui s'y trouvaient pouvaient être la propriété d'entreprises. Donc, est-ce que cette prospection minière spatiale, c'est encore de la science-fiction ou est-ce que c'est la réalité des 10 prochaines années? En tout cas, une chose est certaine, nous sommes peut-être sortis de l'ère du pétrole, mais nous ne sommes surtout pas encore sortis de l'ère des métaux. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, tout est remis en ordre de mon côté. Merci Véronique pour cette conférence passionnante. C'était, en tout cas pour un chimiste, c'était vraiment fantastique. Et t'as énormément de félicitations sur le chat pour la qualité de ton exposé et la qualité des slides. Je ne t'entends plus, j'espère que c'est normal. Oui, Ah, c'est normal parce que j'étais en train de me servir un verre d'eau. ça va. Voilà. Alors, on va passer aux questions. Il y en a quelques-unes. Je vais te les faire dans l'ordre. Si tu veux bien, ce sera beaucoup plus simple. Alors, tu as parlé des fours électriques. Quel est le matériau qui est utilisé pour les électrodes?
Alors, les électrodes des fours électriques sont fabriquées en graphite. Donc, en fait, ce sont de gigantesques mines de crayons. Alors, quand je dis gigantesque, le diamètre d'une électrode pour un four utilisé pour la production d'acier inoxydable, c'est environ 50 cm. Et la hauteur d'une électrode, elles sont faites par tronçons de bons mètres, et on met trois tronçons pour faire une électrode en fonctionnement. Il faut savoir que l'électrode dans le four électrique, c'est un des trucs les plus chers après l'énergie électrique. C'est très très compliqué à fabriquer. Si je me souviens bien, le procédé de fabrication complet d'une électrode, c'est entre 3 semaines et 3 mois, un truc ainsi. Donc c'est vraiment quelque chose d'un peu fou. Ok, tu as parlé d'industrie automobile. Le pourcentage de méthane intervenant dans l'industrie automobile, je pense que tu avais finalement un graphique qui résumait plus ou moins ça. Tu as un chiffre? C'est très, très, très variable, en fait, parce que il va y avoir des modèles qui seront construits pour la résistance et dans laquelle on va se retrouver avec des carrosseries assez lourdes et des choses comme ça. Puis à côté de ça, tu as des modèles de voitures. Par exemple, les Chinois ont sorti récemment un modèle de voiture microscopique qui a à peine, enfin non, qui est homologué en fait comme voiture, qui pèse quasiment rien et dont quasiment l'entièreté de la carrosserie est en polymère ou en composite. Et donc donner un chiffre, c'est presque impossible parce que ça dépend très fort d'un modèle de voiture à l'autre. Pareil pour les avions en fait. Il y a des avions dans lesquels il y a beaucoup d'aluminium, il y a des avions dans lesquels on va se retrouver de plus en plus avec des composites et ça va dépendre très très fort de ce qu'on veut faire avec, en fait. Ok. Alors, on change un petit peu de sujet pour la question suivante. Tu as parlé du tableau périodique. Tu as dit qu'il était complet. Comment est-ce qu'on peut déterminer que le tableau périodique est complet? Alors, écoute, ça, je ne sais pas exactement parce que je suis chimiste de très loin. En fait, on sait que les orbitales sont remplies, celles qu'on a découverte. Alors peut-être que un jour il y a quelqu'un qui arrivera à recoller une orbitale supplémentaire et qu'on va être reparti pour 50 nouveaux matériaux, nouveaux éléments. Mais en tout cas, les positions disponibles dans les orbitales qui étaient connues jusqu'à maintenant sont toutes remplies. Et donc voilà, on a rempli le tableau, on a rempli tous les trous dans ce qui existait en tout cas. Ok, j'avais déjà plus ou moins répondu sur le chat. C'était au cas où tu aurais des compléments d'information. Tu as Non. parlé de la fabrication d'armes. Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'armes qui sont fabriquées en métal? Ah oui, absolument, hein. Il faut savoir qu'en fait, tout ce qui est canon d'armes à feu, ça doit résister à des pressions extrêmement importantes, mais aussi à des températures extrêmement importantes et à des frottements. Et à part les métaux, il n'y a presque pas de matériaux qui permettent de résister à la pression, aux frottements et à la température. Et donc, il y a encore énormément d'armes à feu qui sont fabriquées en acier, avec des revêtements internes en d'autres métaux et des choses comme ça. Donc oui, et les munitions aussi sont encore entièrement en métal. Et puis alors, il y a tout ce qui est blindé et tous ces Oui, trucs-là qui forcément. sont aussi encore… Donc oui, dans l'armement, il y a vraiment, vraiment, vraiment… je veux dire, c'est une industrie qui ne peut pas se passer de métal. Malheureusement, c'est une industrie dont certains métallurgistes aimeraient pouvoir se passer. Oui, j'imagine. Quelqu'un a parlé sur le chat de la société Umicore, qui visiblement est une société belge impliqué dans le recyclage des métaux non ferreux. Est-ce que tu connais? Et si oui, est-ce que tu peux en toucher un mot? Alors oui, effectivement. Hein. Alors Umicore, il faut savoir que c'est le nom moderne de l'ancienne Union minière du Haut-Katanga. Donc, c'est le producteur de métaux non ferreux historique belge depuis, je dirais, à mon avis, ça doit faire une quinzaine d'années. Ils se sont recentrés sur leur usine de métaux précieux qui est située à Hoboken dans la région d'Anvers, mais que je n'ai jamais eu l'occasion de visiter malheureusement parce que c'est très secret. J'ai visité d'autres parties du Umicore quand j'étais jeune, mais là,
peux pas rentrer. Ils font du palladium, ils font du platine, des choses comme ça. Un lingot qui fait la taille d'un pavé coûte plusieurs millions, donc tu comprends bien qu'on ne peut pas rentrer. Et en fait, effectivement, ils recyclent les métaux précieux, ils recyclent des métaux rares et des cartes électroniques, etc. Mais en général, ils font surtout du traitement de matières qui sont déjà relativement riches. Parce que, notamment pour tout ce qui est cuivre, zinc, etc., les matières qui sont moins riches en métaux nobles sont pré-traitées dans d'autres usines. Il y a notamment une usine également en Flandre qui s'appelle Metallo et qui retraite des déchets de cartes électroniques, de radiateurs de voitures, etc. et qui sépare le cuivre, le plomb, l'étain, le zinc et le nickel. Voilà. Mais donc, il y a des choses qui se font. Maintenant, il y a très peu de choses qui se font. On recycle pas tous les métaux parce qu'il y en a pour lesquels les procédés de séparation sont extrêmement complexes. Et donc, il y en a qui sont vraiment perdus dans l'affaire. Alors, souvent, tu as répondu aux questions peu après qu'elles soient posées. Alors, je vais quand même la poser, la reformuler, disons. Quelqu'un demandait pourquoi ne recycle-t-on pas la partie métallique des panneaux photovoltaïques? Donc, tu as expliqué que, bah, avec ton analogie avec le pain qui était assez intéressante. Mais bon, à partir du moment où on fabrique des transistors, des semi-conducteurs, etc., est-ce qu'on ne peut pas imaginer les réutiliser tels quels? Alors, on peut le réutiliser tel quel, mais je ne sais pas si tu as regardé récemment une carte électronique. On est très très loin des années 70 où on avait des composants et des transistors qu'on venait braser comme ça un peu partout sur des cartes qui étaient très massives. Maintenant, on est dans la miniaturisation. Et donc, en fait, la plupart de ces systèmes, que ce soit les transistors, que ce soit les diodes, etc., sont imprimés dedans ou sont noyés dans la masse. Et il y en a très peu qui sont encore brasés ou des choses comme ça. Et même ceux qui sont brasés, en fait, le démantèlement, la main-d'œuvre qui est nécessaire au démantèlement, c'est impayable, complètement impayable. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de nos déchets électroniques qui sont envoyés dans des pays en voie de développement. D'ailleurs, très fréquemment, non pas en tant que déchets, mais en tant que deuxième main, toute l'Afrique de l'Ouest appelle ça des au revoir la France. Donc, nous exportons des vieux téléphones, des vieux ordinateurs, etc., en disant oui, ils peuvent encore servir là-bas, mais ils ne servent absolument plus là-bas. Et il arrive qu'on les démantèle à la main. Mais la main-d'œuvre qui est nécessaire pour faire ça, c'est un truc de fou. Et donc, on ne le fait pas parce qu'on ne veut pas payer cette main-d'œuvre. Oui, c'est assez logique. Alors, est-ce qu'il y a encore du plomb dans les ordinateurs? Et si oui, à quoi sert-il? Alors, il y a encore, ça dépend un petit peu de quels ordinateurs. Il faut savoir que le plomb dans les ordinateurs, ça sert dans les brasures. Donc, quand on a les composants électroniques, on vient faire ce qu'on appelle une soudure électronique, qui n'est pas vraiment une soudure, c'est-à-dire qu'on vient mettre une goutte de métal fondu pour faire le contact. Et cette goutte de métal fondu, c'est une brasure. Pendant très longtemps, on a utilisé des brasures plomb éteint parce qu'elles ont un point de fusion qui est très très faible et qu'elles sont assez peu volatiles et donc c'est très facile à mettre en œuvre. Alors on a évidemment complètement arrêté d'utiliser ça et on est parti sur d'autres technologies, mais il n'empêche que comme on ne recycle pas tout instantanément, il y a encore dans ce qu'on recycle du plomb dans certaines brasures. Alors il y a aussi une autre application très importante du plomb qui est tout ce qui est batterie et accumulateurs. Et les accumulateurs au plomb sont particulièrement robustes et ont une assez bonne durée de vie. Et donc, dans certaines piles et batteries, même dans les ordinateurs, on peut éventuellement retrouver.
Alors, je pense que j'ai fini les questions qui ont été posées sur le chat. J'en ai moi-même deux ou trois. Je vais en profiter pour dire à tout le monde s'il y a des questions que j'ai oubliées ou si vous avez des questions supplémentaires, c'est le moment, c'est l'instant. Alors, moi, je voudrais te demander, petite question peut-être côté plutôt géologie, qu'est-ce qui permet d'expliquer la formation de gisements? Donc, je ne sais pas, un gisement de cuivre, par exemple, pourquoi le cuivre se rassemble à ce point à certains endroits? Alors, il y a plusieurs phénomènes, hein. Il y a clairement plusieurs phénomènes. Alors, il y a des phénomènes de roches qui viennent des entrailles de la Terre et qui remontent, des roches magmatiques et des choses comme ça. Mais je suis pas géologue, hein, donc s'il y a un géologue qui trouve que je raconte des bêtises, qu'il m'excuse tout de suite. Mais il y a aussi ce qui s'appelle des placers, c'est-à-dire qu'on va avoir en fait une érosion de certaines roches ou une dissolution préférentielle de certains matériaux qui vont être en fait emmenés par l'eau et redéposés à des endroits particulièrement stratégiques. Quand on entend la chanson d'Hugo Frey, Iseo Santiano, avec l'or au fond des ruisseaux, etc., c'est pas pour rien que l'or se retrouve au fond des ruisseaux. En fait, il est emporté par les eaux alluviales dans les endroits où il se trouve, dans les montagnes et ce genre de choses. Et puis, il vient se déposer au fond du ruisseau à la fin, par entraînement mécanique. Donc, il y a vraiment toutes sortes de phénomènes. Il faut savoir qu'il y a des métaux un peu partout. Donc, il y en a dans le noyau terrestre, hein, qui est principalement constitué de fer, hein. C'est pour ça qu'on a le pôle nord, le pôle sud et le champ magnétique terrestre. Mais il y en a aussi en solution dans la mer. Donc, tu peux avoir des redépôts locaux de choses qui sont en solution dans la mer avec des différences de solubilité liées à la température, au pH, à que sais-je. Donc, c'est vraiment plein, plein, plein de phénomènes différents. Mais je m'y connais pas assez en géologie pour aller plus loin que ça. Ça répond déjà un peu à la question. Alors, tu parlais des aciers des voitures qui sont faits pour emmagasiner l'énergie du choc. Est-ce que c'est pas plus une question de mise en forme de l'acier que de composition? Alors, c'est même au-delà de la mise en forme. C'est-à-dire qu'il y a des questions de composition, de traitement thermique et de mise en forme. Donc, les process qui permettent de faire ces aciers sont extrêmement délicats. C'est des aciers qui ont été développés. Écoute, je ne les ai pas appris quand j'étais étudiante, tout début des années 2000. Donc, c'est vraiment des aciers qui ont été développés très récemment. Pour ceux auxquels je pense, qui sont très, très, très complexes à mettre en forme avec des normes très strictes en termes de teneur en carbone notamment, mais aussi en soufre, en phosphore, en manganèse. Enfin, on va rajouter des éléments spécifiques pour avoir des structures très, très spécifiques. On va accompagner ça d'un traitement thermique très, très, très contrôlé. Et pendant le laminage aussi, on va devoir faire ce laminage de manière contrôlée. Donc, c'est vraiment à toutes les étapes du process où il faut optimiser ce process pour arriver exactement à ce qu'on veut. Et donc, c'est là qu'on se rend compte que la métallurgie, c'est pas, en tout cas, c'est plus du tout quelque chose qu'on fait un petit peu au petit bonheur la chance. Il faut savoir que, par exemple, dans les aciers inoxydables, dans certains aciers inoxydables et aciers spéciaux, dans des usines de la région, ils sont en train de chercher à atteindre des teneurs en hydrogène dissous dans leur acier au moment de la couler, hein, qu'ils mesurent dans leur acier à 1600 degrés avant de le couler. Eh bien, ils veulent, juste avant la couler, avoir une teneur inférieure à 1 ppm. Et ils vont faire cette mesure sur une poche qui fait 200 tonnes et qui est à 1600 degrés. Donc ça, c'est pour vraiment montrer que c'est à tous les stades du process qu'il faut faire attention. Il y en a vraiment il y en a vraiment pour tout le monde. Ok, c'est impressionnant comme mesure. Il y a deux nouvelles questions sur le chat. Est-ce que ce n'est pas plutôt du silicium dans les brasures des ordinateurs? Non.
Non, 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 c'est plomb, c'est étain principalement. Le silicium dans les ordinateurs, c'est pour les semi-conducteurs, les brasures, le silicium, c'est une température de fusion d'environ 1000 degrés. Donc, non, 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 il faut quelque chose qui ait une température de fusion beaucoup plus faible. Par contre, on va retrouver des choses comme du bismuth, éventuellement de l'argent et des choses comme ça. Il y a peut-être un tout petit peu de silicium, mais c'est certainement pas un élément majeur parce que ça n'a pas une température de fusion assez basse et en plus ça n'est pas un excellent conducteur. On a quelqu'un qui confirme sur le chat étain, cuivre et argent. Alors, est-ce que tu sais Voilà. si Lumons participe dans des, toi peut-être, des études autour du recyclage des métaux? Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, je suis impliquée avec l'ULB dans une étude de recyclage de déchets électroniques qui est menée en collaboration aussi avec les universités de Kourou et de Ouagadougou au Burkina Faso. Et donc, l'objectif de cette étude qui est de grande ampleur, hein, il y a trois ou quatre doctorants. Il y a une dizaine de professeurs qui sont impliqués, c'est de proposer des méthodes qui permettent de récupérer dans les déchets électroniques, alors pas encore les métaux rares, parce qu'on propose des méthodes tout à fait différentes de ce qui s'utilise à l'heure actuelle. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a deux grands types de méthodes qui sont la pyrométallurgie, on brûle tout, ou l'hydrométallurgie, où on va essayer de dissoudre, et en général, on va dissoudre l'or, le platine et l'argent dans des solutions très sympathiques qui contiennent du mercure, des cyanures ou des choses comme ça. Et donc, nous, on a décidé de passer en dissolution avec des méthodes électrochimiques douces. Et je ne vais pas en dire plus parce que ce serait rentré dans des considérations un petit peu complexes pour le grand public. Mais oui, donc, on est impliqué dans ce genre de choses. On est aussi régulièrement impliqué avec le service de métallurgie dans des études préliminaires de recyclage et des choses comme ça. Alors, je vais être désagréable pour la dernière question et ce sera la mienne en plus. En tout cas, pour tout ce qui est électronique, à partir du moment où où travailler avec des mélanges de silicium, germanium, terres rares, etc., tout ça finit forcément à la poubelle. Est-ce que la solution n'est pas plutôt l'électronique organique? Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? À l'heure actuelle, l'électronique organique ne permet pas encore tout à fait d'avoir les propriétés nécessaires. En tout cas, pour l'électronique, ça pourrait être une réponse. Alors, peut-être pas pour l'ensemble, mais tout ce qui est écran, notamment les OLED, ont fait des progrès énormes et pourrait probablement permettre de répondre. Maintenant, il faut savoir que même dans l'électronique organique, il y a encore souvent, c'est plutôt organométallique que purement organique. Et donc, on est encore, et les catalyseurs sont toujours des métaux. Donc, moi, je trouve ça tout à fait séduisant, mais il faut voir si on ne lâche pas la peste pour le choléra. Je crois que c'est un peu ce qu'il faut retenir, hein, de tous ces progrès récents et de toute la green tech, etc., c'est que on lâche la peste, oui, mais est-ce qu'on la lâche pour un rhume des foies ou est-ce qu'on la lâche pour le choléra? Et pour l'électronique organique, je crois que la technologie est encore suffisamment, pas encore suffisamment mature pour qu'on ait une réponse. Maintenant, si les collègues du service de Roberto Lazzaroni m'entendent et qu'ils ont, eux, une réponse, qu'ils n'hésitent pas à la mettre sur le chat parce que ça m'intéresse vachement. Ça va, si tu veux, on en discute un petit peu après. Voilà, je pense que Tout à fait. c'est bon pour ce soir. Merci Véronique. Voilà. Mais ce fut un plaisir, en tout cas. Et merci à tous ceux qui ont tenu le coup jusque presque 10 heures du soir à écouter parler de métallurgie et d'hommes des cavernes. C'était vraiment, vraiment intéressant. Alors, jeudi, nous avons la toute dernière conférence de cette année.
Alors on quitte la métallurgie, mais on ne quitte pas tout à fait la terre, puisqu'on va parler de jardin, et surtout de jardin punk. Donc comment avoir un jardin intéressant, un beau jardin en faisant le moins possible. Voilà, bonne soirée à tous. Bonne soirée!